la vidéo de Il était une fois mon prince charmant. Donc, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. C'est parti pour les cours. ne vous inquiétez pas, je vais trouver un... Excusez-moi. je vais trouver le temps de faire des vidéos, hein. Je ne vais pas... Je ne vais pas vous abandonner comme ça en plein milieu alors que je n'ai pas fini alors que je n'ai même pas encore fini le jeu. Donc dans les épisodes précédents, c'était passé quoi? On avait fini rituel, bref. Quoi d'autre? On était resté dans le pays d'Albert normalement. Je pense. Bon bref, je vais continuer parce que je ne me souviens pas. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, donc je vais continuer. Désolée, hein, je mange un petit peu en même temps. Je me crouille. Je me dépêche en fait de faire la vidéo. Donc là, je prends bref, je m'en fiche de ma vie. On s'en fiche complètement. Donc, je vais continuer. Cool. On a une histoire spéciale. Ah, cool. vu que la dernière fois, j'avais pas pu la faire. Donc là, ça va, je suis contente de pouvoir faire l'histoire spéciale. Donc, on va forcément... nous allons forcément avoir une illustration. Donc, c'est parti. Alors. Ah oui, c'est vrai, on était dans une fête, je pense, qui était organisée pour nous. Et on nous avait coupé en plein... Bref, donc, on avait aperçu Léonard sur le balcon. Donc, donc là, nous l'avons rejoint. Donc, nous allons continuer. Alors, Léo me serra dans ses bras et plonge sa tête dans le creux de mon cou. Oula. Mais Léo suça alors ma peau. Ah, c'est toi? Désolé. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Comment ça, ce n'est que nous? Léo, explique-moi un petit peu, là, je ne comprends pas. Genre, le « Ah, c'est toi? Désolé. » Ok, ok, donc il est comme ça le petit Léonard. Ok, d'accord, ok. Au moment où je laissais échapper un gémissement de douleur, Léo se détacha de moi. Il pensait que c'était qui? Sérieux, j'étais surprise. Léo me caressa doucement le cou en me disant cela. La présence de la reine est dure à sentir, tout va bien. C'est vrai qu'il m'a un peu surprise. La lumière de la lune éclaira le visage de Léo, et mon cœur s'emballa face à cette atmosphère inhabituelle. Je pensais que tu parlais avec Albert. Oui, c'est vrai, mais je t'ai vu sur le balcon. Tu m'as suivi alors? Oui, je vois. Léo sembla surpris parce que je disais... il répondit brièvement et ne dit rien de plus. Tiens, je pensais qu'il allait me demander de partir. Je ne pus briser par moi-même le silence et regarder Léo sans rien dire lorsqu'il tourna tout à coup la tête vers moi. Viens plus près. Voilà. Il arrive quoi notre petit Léonard? Je sais pas à quel chapitre on est exactement, je n'ai pas fait gaffe. Mais disons que notre relation s'agrandit. Alors, il dit cela sans crier gare et se tourna vers moi tout en s'appuyant sur la rambarde. De là, tu ne peux pas voir le ciel à travers les arbres. C'est gênant, mais on est juste tous les deux. Je vins alors près de lui, comme il m'avait dit de le faire. Il me prit par les épaules et m'attira à lui. Il avait une distance parfaite entre nous. Je vis les visages de profil de Léo et le vis sourire en regardant vers le ciel. C'est beau. Oui. Je regardais également vers le ciel étoilé. Hey. Chapitre 5, épisode 12. Ok, donc on est déjà à la moitié. Non, pas à la moitié, je pense qu'il y a 15. Je sais plus si elle dit, ouais bref, on s'en fiche. Alors Léo brisa alors le silence en murmurant cela. Tu sais ce que tu as dit dans la grotte des vers? Oui. Je me tournais vers Léo, mais il était toujours en train de scruter le ciel étoilé. Tu as dit que tu voulais en savoir plus sur moi. Ah bon, on a dit ça? Personnellement, je ne me souviens plus du tout. Alors j'ai réfléchi alors à ce que je pouvais te répondre. Léo exhala un bref soupir. Il tourna lentement la tête vers moi et me regarda. Je ne t'ai toujours pas dit la raison pour laquelle je ne voulais pas être ton partenaire. Oui, c'est vrai. Léo me fit un sourire doux et triste à la fois. Il se tourna vers moi. J'ai été trahie par un de mes meilleurs amis. Il avait bien failli tuer mon grand-père, le roi du pays. Ah, donc, d'accord, ok. Donc, tous les princes, en fait... Ouais, je comprends pourquoi ce sont des princes, en fait, ils ne dirigent pas vraiment le pays. C'est leur... Quoi? Attendez. Non, c'était son grand-père, le roi du pays. Bref, je vais pas commencer à faire des théories là-dessus, vu que c'est pas le principal sujet.
Comment Léo, qui parlait toujours sans émotion, avait à présent une voix chevrotante comme je n'avais entendu auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est mort. Comment? J'ai mordu mon meilleur ami jusqu'à ce qu'il meure. Mon cœur fit un bruit sourd et de la sueur coulait le long de ma nuque. Ok, nous avons affaire là à un meurtrier. Non, je rigole, mais c'est chaud quand même. Il a mordu, il a croqué, je sais pas, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'il a fait ça, mais il aurait... C'est bizarre quand même, hein. Lorsqu'il a tenté d'assassiner mon grand-père, j'ai perdu le contrôle de moi-même et j'ai posé les mains sur mon meilleur ami. C'était donc ça, mais quel rapport avec nous? Je comprends pas en fait. Léo expira de manière calme, mon grand-père m'a pardonné, mais au final, c'est moi qui ai entraîné mon meilleur ami dans tout ceci. Léo sourit tristement et mon cœur se serra. Depuis lors, je perds le contrôle de moi-même à chaque nouvelle lune. S'il perd le contrôle, alors c'est que... Je me rappelais alors un soir de nouvelle lune, lorsqu'on était au château du royaume des contes de fées, il m'avait mordu également ce soir-là. Ce n'était pas un rêve alors. Je posais alors inconsciemment ma main sur ma nuque. Léo le remarquait et j'enlevais précipitamment ma main de mon cou. Son expression était d'autant plus douloureuse. Je ne peux pas contrôler ma violence durant les nouvelles lunes et j'ai fait du mal aux gens qui me sont précieux. Ce doit être sa malédiction. Léo eut un soupir moqueur. Non. Tu seras malheureuse si tu restes avec moi. C'est pour ça que... Léo ne me laissa pas finir et continua sur sa lancée. Il plissa les yeux en regardant le croissant de lune. Léo, mon cœur battit d'autant plus fort. Ok, donc notre but, je pense, ça sera de trouver un moyen d'enlever cette soi-disante malédiction et qu'il puisse se contrôler. Alors, Léo s'appuya sur la rambarde et s'assit alors sans force sur le sol. Je ne peux donc pas être ton partenaire. Tu représentes l'espoir de ce monde et je ne veux pas te rendre malheureuse. Il pouvait pas nous le dire plus tôt ce truc, sérieux? Oh. Alors que nous, on voulait absolument l'avoir pour nous toutes seules, lui, voilà quoi. C'est pas bien Léo, hein. Alors Léo pensait de cette manière pendant tout ce temps. Oui, bah voilà, il pensait ça pendant tout ce temps, mais bon. Je voulais me rapprocher un peu de lui, mais il nous a refusé. Ah, même pas. Alors, il m'assit en silence à ses côtés. Voilà qui je suis. Tu veux en savoir plus sur moi, mais je suis de la pire espèce. Léo se moquait de lui-même tout en baissant les yeux. J'ai mis mon grand-père en danger et j'ai perdu le contrôle et tué mon meilleur ami. Mais non, je poussai un cri et me mordis alors les lèvres. Léo me regarda surpris. N'es-tu pas désillusionné? Je... Tu... Nous... Ah, c'est bon. Tu n'étais pas silencieuse parce que tu étais choquée? Bien sûr que non. Je serrai les poings et fis face à Léo. Dans ce cas, dis-moi la raison de ton silence. Léo me regardait avec des yeux tristes. Je ne pouvais rien dire. J'étais concentrée. J'étais tellement heureuse. Ah, j'étais tellement heureuse. Oh, oh. Je suis tellement heureuse que tu me dises enfin tes raisons. Léo fronça les sourcils en m'entendant parler. Sa tristesse était d'autant plus amplifiée. Je me disais que je devais d'abord t'écouter. Et puis, en plus, je me dis que ce n'était pas ta faute. Ce n'est pas si simple que cela. Je voulais faire part de mes pensées à Léo. Je choisis alors mes mots avec soin et ouvris mon cœur à Léo. Léo, je te remercie de m'en avoir parlé. Au moment où je lui exprimais toute ma gratitude, Léo m'avait prise dans ses bras. Non, 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 je vais à la suite. Non! Non! Ah, j'en ai marre. Ah, franchement, j'en ai marre. Toujours finir. Toujours finir ce chapitre par. Par un moment. Ah, ça m'énerve. Bref, donc, je vais vous laisser là. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, notre principal but sera de, normalement, si, bon, ce serait de lever la malédiction qui fait perdre le contrôle à Léo toutes les sortes de pleine lune, parce que sinon ça ne va pas le faire. Bon, je pense que pour l'instant ce n'est que ça, hein. Je vois pas d'autres solutions, hein. La magie ne va pas s'élever comme ça d'un coup. Si on veut rester avec Léo, c'est sûr qu'il faudra que l'on lève cette malédiction. Bah, c'est pas vraiment une malédiction, c'est comme c'est une bête, allez, je dis ça méchamment, mais c'est une bête, donc il faut contrôler la bête. Bref, donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.